Alors bah moi j'ai confié mon chat, enfin en fait on a trouvé Jeanne avec mon père parce que mon chat elle avait des petites crises d'anxiété et elle devenait un peu agressive. Du coup on a trouvé Jeanne, franchement une meuf incroyable, elle s'occupe trop bien des animaux, enfin des chats surtout. J'ai décidé de monter de la maison des ronrons il y a un an de ça, l'idée m'est venue en tête il y a un an de ça. Je travaillais déjà dans une pension pour chats, donc forcément on a envie de travailler avec les chats quand on baigne dedans. Et puis je suis tombée gravement malade l'été dernier du coup, quelques mois après avoir travaillé chez elle. Et puis je pense que quand on a une épreuve comme ça dans sa vie, quelle qu'elle soit, assez difficile, on a envie de se retrouver avec soi-même et de se reconnecter. Et je crois que c'était le bon moment dans ma vie du coup pour moi d'ouvrir cette pension. Cette pension, elle n'a pas pu voir le jour sans l'aide de plein de personnes. Plein de gens. C'est pour ça que la pension respire déjà la bonté, la gentillesse et puis le fait de s'entraider tous, en fait, puisqu'il y a eu énormément de donations via une cagnotte, en fait, qui a été mise en place. Due à ma maladie, oui, essentiellement, de toute façon, mais parce que les gens qui ont suivi ce qui m'est arrivé l'été dernier ont compris ce que je voulais mettre en place et ont compris que c'était essentiel pour moi. Mais il y a eu énormément de dons du sang aussi, puisque ma maladie, il y a eu un problème avec le sang, etc. Donc il y a eu beaucoup, beaucoup de ces gens-là qui ont donné de l'argent, qui ont donné leur sang aussi. Et c'est un lien qui sera à vie, qui ça respire en fait dans la pension de toute façon. J'ai décidé de travailler avec les animaux pour la simple et bonne raison que plus t'aimes les animaux et moins t'aimes les humains. Et je pense qu'ils me correspondent plus. Et les chats plus particulièrement parce que ça vient de l'éducation, je pense, c'est que j'ai toujours été entourée de chats. Les gens qui toquent à ma porte, ils sont déjà bienveillants, ils aiment leurs chats, donc on a forcément un point commun et donc la relation se crée automatiquement. De confiance, c'est avec le temps, plus ils amènent leurs chats et plus ils ont confiance, je pense aussi. Avec le chat, c'est différent, il faut déjà apprendre à se connaître bien plus que les humains de toute façon. Après, pareil, un petit peu quand même avec le temps. Ils ont tous une manière différente d'avoir un lien avec moi, en fait. Ma maman, qui est ma source d'inspiration pour la pension et qui m'est d'une grande aide aussi, a décidé de mettre en... C'était important, en fait, pour elle de mettre en lumière ces personnes qui nous ont aidés. Je trouve que ça a été important de remercier par le biais du coup d'un pêle-mêle ces gens-là qui ont été d'une grande aide, encore une fois. Et c'est important que les propriétaires soient au courant de l'histoire de la pension et je trouve que ça me rajoute même un truc, ça rajoute un cachet en fait, et de la confiance. Je crois que c'est même pour ça qu'ils me font plus confiance aussi. C'est dû à mon histoire, je crois.